La sophrologie est aussi très utilisée par les personnes qui sont fibromyalgiques, notamment parce qu'elle leur permet une décontraction musculaire, les douleurs permanentes qu'elles peuvent avoir les mettent dans un état de tension qui augmente évidemment les douleurs. Donc là, leur permettre de s'apaiser, de réduire ces tensions musculaires, de bien gérer aussi les douleurs, c'est-à-dire de dépolariser leur attention au moment où les douleurs arrivent. Les remettre dans un mouvement au niveau du corps, puisque très souvent elles s'immobilisent, elles ne font plus rien. Là, la sophrologie va leur permettre de se rendre compte qu'elle peut se remettre en mouvement sans forcément accentuer les douleurs. Et puis le dernier point qui peut être intéressant, c'est leur permettre de reprendre confiance en elles. Puisque très souvent elles se désociabilisent, elles ne font plus rien, perdent confiance dans leurs moyens. Et là, la sophrologie peut leur permettre de retrouver évidemment confiance.